Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Un invité, rien de moins qu'un invité qui a fait l'ouverture du podcast à mes tout débuts, qui a cru en moi, qui a levé la main aussitôt que j'ai demandé d'avoir quelqu'un. Elle avait levé la main et je l'avais pris et on avait fait le podcast. Donc aujourd'hui, on l'a pour le début de notre troisième année. Alors, je suis pas peu fier, je suis très content. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'elle a presque pas rien. Là, elle va super mieux, elle va mieux. À l'époque, on l'avait rencontrée, c'était le temps de la pandémie et tout ça. Puis c'était un petit peu moyen, c'était pas 100%, mais c'était pas zéro non plus. Fait que là, présentement, elle va un peu mieux. Fait que ça va bien. Elle travaille, puis elle garde des forces, elle garde la morale. Fait que sur ça, je vous souhaite un bon podcast avec Émilie Dumas Bérubé. Bon vidéo. Notre invité aujourd'hui, c'est quelque chose. On part la troisième saison avec elle aujourd'hui. Et puis, on a commencé la première saison avec elle. C'est quelque chose. Alors, mesdames, messieurs, je vous présente nul autre que Émilie Dumas Bérubé. Je l'ai dit comme ça. Comment ça va, Émilie? Comment ça va, toi? En partant à sclérose, ça, c'est sûr, c'est toute ta première question. Ça va, t'as-tu évolué depuis le temps? Ou t'es encore moins bagadé qu'avant? Es-tu mieux? C'est quoi? Mais le premier podcast, on l'a fait quand? C'était v'là 2 ans, non? Ah oui, 2 ans, oui, c'est ça, ça fait... On était en pandémie. Oui. Puis moi, complètement. Fait que, ça va faire ça environ, puis, mais ça va bien. Ouais. Ça va même bien, j'ai terminé mon cycle de traitement et ça fait maintenant 1 an que je suis... 2 ans depuis le début du cycle que je suis sans poussée. OK. Alors que tout est calme, et alors ça, que c'est... je faisais des poussées à chaque année avant, fait que là, ça s'est tranquillisé et je suis très contente. OK. Puis vous, vous... Vous, madame Dumas Bérubé. Et toi, Émilie? Émilie, moi, une fois de temps en temps, chacun est vous, madame, puis des fois, je reviens à Émilie, inquiète-toi pas. La question, je me dis, le traitement, c'était quoi tu faisais déjà? Là, parce que là, on se souvient, probablement, on n'a peut-être pas tout vu, vidéo de 2 ans. Là. Pas rien que ça, t'en passes du monde. Là, fait que, ça va avoir tous les traitements de tout le monde. J'étais rendue sur Mavenclad. C'était un traitement de 2 semaines. Dans le fond, c'est 1 semaine de traitement, 3 semaines d'arrêt, 1 autre semaine de traitement. On attend 1 an et on recommence ce cycle-là. On le fait 2 fois. Okay. Fait que j'étais comme immunosupprimée. C'est parce que c'est pendant la pandémie. Fait que là, ils ne savaient pas trop, ils ne connaissaient pas trop quand notre système immunitaire était un peu plus bas. Fait que là, je travaillais de la maison. Ça, je l'avais dit, je suis très chanceuse parce que j'ai un travail qui sont... ils sont vraiment ultra gentils. Fait qu'ils m'ont permis... J'ai un travail de laboratoire. Fait qu'habituellement, il faut que je sois au travail en présentiel. C'est ce qu'on dit maintenant. Ouais. Ils m'ont fait travailler de la maison. On a trouvé du travail pour moi, l'ordinateur, puis tout ça. Fait que ça m'a vraiment aidé. Puis ça m'a permis de pas attraper aucun virus. Puis de 2, de pouvoir continuer à travailler puis être active mentalement, parce que je pense que c'est une des choses très importantes. Comme toi, tu te gardes actif mentalement avec les podcasts. Faut faire ça. Parce que c'est long, hein? Quand on n'a rien à faire puis regarder la télévision, c'est le fun, là, mais ça vient. Moi, je me tape beaucoup de TV là, dans ma vie, là, mais j'ai pas le choix. Mais non, une chance que je fais des podcasts, ça m'amuse, ça me rend heureux. Puis ça peut faire du bien à du monde, bien, je suis bien content. Parce que, tu sais, on sait pas. C'est en mode grandissant tout le temps. Fait que je suis pas peu fier de te dire que d'avoir fait les dernières rencontres avec l'Europe que plusieurs fois, là, ça commence à être intéressant. J'espère que cette année, la troisième saison, on va en avoir d'autres. Puis en passant, français ou québécois, c'est la même maladie, hein? Fait que tu sais, les gens... Ils peuvent écouter ça là, sans trop stresser, dire « Ah ouais, c'est un Français ». Ben oui, mais c'est des Français, c'est aussi bon que n'importe qui, là, c'est la même chose. Puis, écoute... puis c'est bien de voir aussi les différences, je trouve, tu sais, mettons, là-bas, à comparer notre système de santé à nous, les traitements, comment qu'eux vivent ça, comment nous on vit ça. Ben tu sais, de toute façon, chaque personne vit sa maladie de façon différente.
peu importe où ce qu'on se situe à travers le monde, mais de voir la différence entre les systèmes de santé, c'est, je trouve que Ouais. c'est quand même Les intéressant. systèmes de santé, les assurances, les rentes, etc. Comment survivre hein, dans ce monde de malades-là? C'est ce que je. Tu sais, présentement, nous autres aussi, ici, on se bat pour la pension. C'est drôle, hein, parce que moi, je me suis toujours posé la question. Tu sais, quand j'ai commencé à être malade, je me suis dit, je suis invalide. Pourquoi qu'à 65 ans, je ne suis plus invalide? C'est ça la grosse question. Pourquoi on n'est plus invalide là, tout à coup? Là, parce Ça que, fait pas de sens, oui. Ben, c'est parce que tu n'as pas arrêté de travailler parce que tu as voulu à 45 ans ou à 50 ans là, ou à 32 ans. Tu n'as jamais voulu ça. Il n'y a personne qui veut ça dans sa vie. Donc, pourquoi que tu es pénalisé parce que tu ne peux pas ramasser autant d'argent que si tu travaillerais? Puis que là, tu arrives à la fin, on te coupe, on va te dire, OK, on va là, on te baisse, fouf, on te donne ça en pension avec la petite pension au gouvernement, tout ça. Puis tu tombes à peu près les deux ensemble, ça va te donner à peu près ce que tu avais en invalidité. C'est fou. Fait que, tu sais. Ça crée tellement un gros stress sur les gens, là. Oui, puis l'autre affaire, là, je sais que je m'en vais un peu partout, là. Mais il faut dire une chose, là, moi, puis Billy, là, hein? J'ai pas écrit de questions, puis elle n'a pas écrit elle non plus. Fait qu'on est en mode un peu, on est ouvert, on est sur le bord ouvert. Ouais. L'autre affaire folle, c'est que les soins de santé pour les personnes malades ou en perte d'autonomie grave, là, si on veut dire, bien, il n'y a pas vraiment de super place là, qui t'accueille. Là, qui t'a... Tu sais, t'as pas le goût de dire, ah ouais, je m'en vais à la place là-bas, ça va être super, c'est décoré, c'est proche de l'eau, c'est beau, tu sais. Non, non, c'est des places drabes, c'est des vieillards qui sont là en perte d'autonomie. Mais non, mais c'est ça, puis ça fait que tu deviens quasiment dépressif, tu veux pas aller là. C'est pas comme si ton cerveau fonctionne plus, là. Non, c'est ça. T'es encore tout là, ça t'es pas en train de décliner d'une façon où ce que... Neurologiquement, ton cerveau ne répond plus puis tu ne comprends plus. Là. Et tu es toute là. Oui, mais tu en as quand même qui ont des pertes cognitives. Mais les pertes cognitives sont souvent soit des oublis, soit des. On n'est pas dans le monde, j'ai tout perdu, là, je ne me souviens plus t'es qui. Là, on n'est pas là. Non. Ben, je pense pas que ça va jusqu'à là. Je n'ai pas entendu parler de cas qui sont touchés aussi graves que ça. Là. Moi non plus. Le cognitif, on comprend que oui, des fois, ça peut arriver qu'on en manque des petits bouts, là, mais c'est pas... En tout cas, fait que, à part de ça, là, tu as recommencé à travailler. Là, je peux-tu en parler? Je t'ai même vu travailler. C'est quelque chose, ça, ce que tu fais? J'ai vu. Madame, elle injecte des petits rats, des souris. Pas des rats, des rats, c'est des souris, je pense. C'est quelque chose, hein, ce que tu fais comme travail, puis c'est tout le temps en mode, c'est pour trouver, c'est-tu des solutions médicaments, c'est quoi que c'est que tu fais? Ouais, on est une compagnie pharmaceutique, puis je suis dans le côté pharmacologie, qu'on dit, okay. Puis oui, on fait notre chimie, on fait notre biologie, puis on essaie de justement aider la science à grandir, puis ce que je trouve bien, c'est que le domaine que je travaille présentement, bien, ça touche... Justement, là, je suis dans un peu comme, je vais toucher sûrement peut-être la sclérose en plaques. On flirte avec des maladies neurologiques, dans le fond. Fait que, il y a de l'avancée, puis ça va bien. Puis, c'est un domaine quand même assez, je vais dire, très pertinent. Là. C'est intéressant, on apprend à chaque jour. Puis je trouve ça bien parce qu'on fait vraiment avancer les choses. T'sais, autant que moi, je suis contente d'avoir mes médicaments. Je sais que c'est pas tout le monde qui va vers les médicaments quand on a la sclérose en plaques. Mm-hmm. Je trouve que c'est à chacun ses choix. Moi, j'avais aussi essayé de pas prendre aucun médicament. Puis je m'avais mis à faire des poussées. T'sais, ça allait vraiment pas bien. Puis j'ai dit, ah non, je vais continuer à prendre un autre médicament. Puis moi, ce médicament-là, présentement, fonctionne bien. Fait que, tu sais, je suis contente de l'avoir parce que ça retarde ma maladie. Mais si moi, je peux aider à participer, à aider d'autres pour d'autres maladies, ben je sais pas, ça me fait du bien de savoir que d'autres personnes vont peut-être en profiter un jour. Puis... Moi, écoute, je sais que les compagnies pharmaceutiques, il y en mouille dans Laval, il y en mouille aussi à Montréal. T'es dans quel coin, toi? Dans le gros bassin. Oui, c'est. Excusez. Pardon? Dans le Technoparc à Montréal, à Ville-Saint-Laurent. Okay. Oui. Montréal, c'est une grosse. Oui, oui, il y en a. Compagnie pharmaceutique, il y en a plusieurs là. C'est,
C'est big, comme on dit. Mais Laval, je sais pas si tu as déjà vu Laval aussi, hein, comme un parc de. C'est toutes des compagnies, écoute, des compagnies pharmaceutiques, tout ça, il y en a plein, là. C'est Ouais. fou. C'est Ouais. fou. J'ai déjà été là, plus jeune, j'avais été faire un party, là, puis ouais, c'est quelque chose. Il y a du monde. Il y a du monde là qui travaille là. Là, tu sais, c'est big. Ouais. Il y a Mais des places. c'est quoi le nom de ta compagnie? On peut-tu le dire ou si on peut pas? On Pas, fait que, dira pas. ben, je peux le dire, puis tout ça, mais je sais pas jusqu'à quel point je peux dire. Je peux pas trop en dire sur ma compagnie, vraiment. On ne Ouais, je dira pas, on ne dira pas, c'est pas grave. préfère comme être un peu On plus. sait que c'est une compagnie pharmaceutique, point à la ligne, t'as ça, c'est pas grave. Mais je travaille pour une très bonne place, puis je sais que c'est pas tout le monde qui, avec le travail, la maladie et le travail, ça se fait bien, mais moi, je suis très chanceuse. Et j'ai beaucoup de gratitude envers ça parce que ça me permet, comme je disais, de continuer à travailler, continuer à faire de quoi de ma peau, puis de, je sais De te pas. sentir utile. Oui, c'est ça, de me sentir utile, puis de savoir qu'ils comprennent, puis qu'ils ont de l'empathie aussi pour qu'est-ce que, puis qu'ils vont s'ajuster. Tu sais, c'est sûr qu'on peut pas toujours s'ajuster. Puis j'avais un message pour eux autres à un moment donné, je disais, hey, le jour que ça fonctionne plus, là, vous me dites, tu sais, faut être franc, puis tu sais, il faut être capable de se parler. Puis ils m'avaient dit, bon, on va te faire faire autre chose, tu sais. Si t'es plus capable de faire ça, on va te faire faire de quoi que t'es capable de faire. Puis ça m'avait. Ça m'enlève tellement de stress, tu sais. Il y a tellement de personnes qui ont la sclérose en plaques qui sont stressées à cause de ça, qui savent pas s'ils vont pouvoir continuer. Ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir une Oui, compagnie parce comme qu'il ça en arrière de moi, là. y a sûrement des compagnies qui ne peuvent pas se permettre non plus de garder justement une personne handicapée ou malade à cause de X problèmes. Elle ne peut plus faire le même genre. Toi, tu as la possibilité d'avoir d'autres possibilités dans la place. Fait que, tu sais, c'est ça, sa beauté. Voir une neuro. J'étais suivie par une neuropsy au CHUM. Puis, OK. parce qu'à un moment donné, quand je faisais mes poussées, j'étais inquiète parce qu'on le sait, on vient qu'on a des problèmes d'inattention. Puis Oui. là, ça crée comme le cercle vicieux de t'es stressé, tu fais plus d'erreurs, tu fais plus d'erreurs, t'es plus stressé, t'es plus malade. Puis là, ça revient tout le temps, ce petit cercle-là. J'étais là, oh, mon Dieu. Puis, c'était tellement stressant, mais t'es là. Ben, trouve-toi des solutions au travail. Fait que là, j'avais commencé à dire, OK, bon, ben, ça, je le sais que j'ai de la difficulté. Fait que je vais me faire, je vais le dire en anglais, mais je vais me faire double-checker par quelqu'un pour être sûr que mon travail est quand même bien fait, malgré que présentement, j'ai des problèmes. Puis le monde m'avait très bien supporté là-dedans. Puis, ouais, je suis chanceuse. Ouais. Mais là, juste pour remettre le monde dans le bain, là, écoute, c'est là 2 ans quasiment, la question, avec, quasiment 3, parce qu'on commence à la troisième. Oui. À quel âge, toi, là, juste parce que je me souviens plus, là, moi non plus. J'ai Comment? tourné. Je viens d'avoir 40 ans. En février, j'ai eu 40. Ouais. Hey, ça te paraît pas de ça, hein? Merci. T'as l'air jeune, t'as l'air vraiment jeune. Non, mais. Mais ça fait, en plus, ça fait 10 ans que j'ai été diagnostiquée aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette année. Le 4 juillet, ça va faire 10 ans que j'ai été diagnostiquée. C'est des bouts soudés. Ah oui. J'étais tellement contente. Quel beau On cadeau. est tellement content de savoir ça. Là. Ça fait tant d'années. Wow! On est Mais content. Hey, non, non, écoute. Non, non, mais sérieux, j'ai une question de ma papille. Excuse-moi, je oui, sais. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir un diagnostic de sclérose en plaques? Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'être? C'est ça ma question. Parce vas-y. que c'est ça que ça m'intéresse de savoir ça. Ben, ça me d'un, ça m'a appris. Que, ben moi, j'étais très centrée sur le travail. C'était le travail qui me drivait, puis je me poussais beaucoup avec ça. Je suis quelqu'un qui vit à quand même à 110%, je veux dire. Puis ça m'a appris à relaxer, puis faire des choix, apprendre à faire des choix. Et comme là, maintenant, je ne peux plus aller dans tous les parties. De toute façon, j'ai 40 ans, j'ai plus mille et un parties à chaque jour. Mais, tu sais, j'allais beaucoup, je sortais beaucoup, mais j'ai appris à me doser puis à me diminuer parce qu'à un moment donné, ben d'un, c'est pas bon. J'ai appris aussi à prendre soin de moi. Quelque chose que je faisais, mais je faisais pas si bien. As-tu changé la bouffe, l'alimentation? Je Okay. suis là-dedans. J'ai changé toute ma. La, mais je m'entraîne beaucoup. Puis ça, c'est une chose que. En tout cas, je conseillerais aux gens de faire si on est capable de continuer. Si vous êtes capable de continuer à vous entraîner, faites-le. Parce que moi, c'est fou les bénéfices.
qu'on en retire. Puis des fois, comme hier, là, j'étais fatiguée. Puis, en tout cas, mon chien va pas bien. Puis là, tu sais, j'ai beaucoup de stress un peu ces temps-ci. Puis là, j'étais là, non, j'ai dit à la mère, j'ai dit... Ça passe, on n'est pas à TVA, ici, là. Faites tout. J'ai dit, ben, j'y vais. Puis, je me suis habillée. C'était même pas long, là. C'était 10 minutes. Je suis allée faire de la course parce que je suis encore capable de courir. Puis, je me sens bien. Fait que je suis allée courir. Je faisais des petits sprints. Après, je suis revenue, là. On dirait que tout. Je sens que ça fait du bien. Ça élimine les toxines. Fait que ça, j'ai été encore plus disciplinée avec la façon d'entraîner. J'ai changé mon alimentation. Je prends plus soin de moi. Je fais des décisions. À mon travail, il a fallu que je change ma façon de travailler parce que, tu sais, travailler des 60, 65 heures par semaine, c'est plus faisable. Pour moi, je suis plus carriériste, je veux dire, mais là, j'ai dit non, c'était un gros deuil à faire. Là. J'ai passé par ça en pandémie parce que j'étais là, mon Dieu, tu sais, il me semble que j'ai l'air d'une personne qui est plus motivée, mais c'est pas ça. C'est d'accepter que c'est ça que je suis capable de le donner. Puis ce que je donne, bien, je le fais bien. Mm-hmm. Fait que c'est comme ça que c'est ça. Peut-être que ça, pas avoir la maladie, je l'aurais fait pareil, mais je pense que avoir eu la sclérose en plaques, ça m'a appris à dire OK, il faut. En tout cas, moi, c'est confirmé, ça m'a changé. C'est ça. Ouais. Ouais, parce que je pense que j'ai travaillé à 200 000 à l'heure, moi, avec, comme toi. Mais toi, c'était une couche plus que moi. Ouais, moi, je gérais une business, puis je travaillais, et c'était tout le temps à 60-70 heures. J'ai fait ça toute ma vie, quasiment. Je commençais avec ton âge à peu près à ralentir, parce que j'avais pas le choix. Écoute, je marchais à quatre pattes là, chez nous, que c'était pas winner, là, tu sais. Mais, tu sais, c'était un dur coup, là, tu sais, à 40 ans, quand tu te marches à quatre pattes, là, c'est pas drôle, là. Tu marches, tu te demandes, moi, je m'achetais des chaises roulantes, tu sais, fait qu'en tout cas, bref, là, c'est pas moi qu'on va parler, c'est toi. mais tu vois, c'est ce que je voulais dire tantôt. Dans le fond, ça fait 10 ans, tu sais, moi, je m'avais dit à chaque 5 ans, c'est comme ça donne une idée de où ce que je suis rendue. Là, 5 ans, je suis là, ouais, ça va, mais tu sais, c'était pas le top, mais je suis pas si pire, tu sais, j'essayais de me. Mais tes plus grosses pertes étaient quoi, en réalité, tu sais, parce que si tu dis que tu cours, ça veut dire que t'as pas de misère à marcher, tu marches pas afin d'avoir couru, t'es plus capable de marcher. Non, c'est dans les débuts, moi, les débuts, tu sais, je chantais plus ma main droite, mais tu sais, c'est toujours revenu. Mon pied aussi, je boitais, puis tout ça, mais c'est toujours revenu. Mes problèmes sont plus cognitifs qu'autre chose. Quand je fais des poussées, je vis en gros brain fog, de la grosse fatigue. J'ai beaucoup de misère à me concentrer. Me concentrer, ça me rend fatiguée. J'ai dit, OK, il faut que je fasse telle affaire. Je viens ultra fatiguée. Aller prendre mon bain. J'ai dit, oh, mon Dieu, il faut que j'aille prendre mon bain. C'était quasiment un événement. Ben, quand tu prenais ton bain, est-ce que tu avais de la misère à te relever du bain? Tu sais, je veux dire, si tu prends l'eau chaude, le bain chaud, ça affecte. Moi, je sais bien qu'à un moment donné, je prenais des bains tourbillons, puis écoute, j'ai plus à me lever. J'avais pour au moins 20 minutes avant de me sortir du bain. Ben oui, c'était ça. Tu sors du bain. Fait que là, je suis là, OK, mais ça va être une douche froide, mais fraîche. Elle ne sera pas froide parce que ça, c'était pas le fun. Mais tu sais, j'essayais de m'ajuster, mais j'étais brûlée, là, ça, c'était... Mais j'ai pas... c'est ça, après 10 ans, je suis capable de me dire, ben, je suis pas mal en point. C'est pas... oui, ça change des affaires que je fais dans la vie. Oui, je suis plus fatiguée pour des affaires, puis oui, je dois faire des choix, puis faire attention. Oui, des fois, j'ai des problèmes cognitifs, mais tu sais, je suis fonctionnelle. Tu prends-tu encore une médication quelconque ou tu prends plus rien? On attend. Les médicaments pour la sclérose en plaques. On ne sait jamais si ça fonctionne parce qu'on n'a pas de biomarqueur afin de savoir, pour suivre la maladie, pour savoir, de un, est-ce que le médicament est efficace pour toi? Puis de deux, est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Est-ce que tu vas avoir des poussées, mais plus tard, ou est-ce que ça a juste stoppé tes poussées? T'sais, on n'est pas capable de suivre. Fait que là, avec qu'est-ce que j'ai pris avec ma veine? Comme l'autre médicament que je prenais avant,
c'était Gilenia, OK? J'étais 5 ans là-dessus. Puis lui, je te dis, là, j'étais verte, fatiguée, puis ça allait pas. Puis j'étais là, à la fin, j'étais là, je pense que, tu sais, je peux encore dépousser. Puis là, on faisait des IRM, puis j'avais rien, j'avais pas plus de lésions, puis tout ça. Fait que j'étais là, OK, bon, c'est pas ça. Mais je filais pas, mais c'est le médicament qui me faisait pas. C'est le médicament qui me rendait malade. Il arrêtait mes poussées, mais il me rendait malade. Tu sais, bien, façon de parler. Là. Okay. Fait que, quand on a changé ma ventilade, ça fait 2 ans que je suis sans poussée. Puis le mot d'ordre, c'est, ben on va te suivre. Puis le jour qu'on va voir que tu as des poussées, ben, on va soit refaire un traitement ou ils vont m'ordonner. Je me souviens plus du nom, mais tu sais, vu qu'on se pique. Copaxone. OK. OK. Moi, écoute, ça fait tellement longtemps que j'ai pris des médicaments que... Oui, non, t'en prends pas. Moi, j'en parle avec tout le monde de tous les médicaments, mais moi, je ne connais pas ces médicaments-là. Là. Moi, le seul médicament que j'ai connu, c'est Bétacéron. C'est loin, ça. Non, mais ça fait longtemps. Il n'y a plus personne qui fait ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. C'est le fun. Vous avez trahi mon âge, là. J'ai quasiment 42. Arrête, Tu fais pas ton âge, Gilles. Ah oui, c'est ça. Ah oui, je viens d'avoir 42. Hey, non, mais pour vrai, est-ce que tu prends plus de médicaments parce que il n'y en a pas qui s'offrent à toi ou parce que c'est une décision? Ouais, moi, exactement. Moi, rendu à mon âge, moi, j'ai 61 aujourd'hui. Et puis, avec la progressive secondaire, il y a des trucs qui sont offerts à ceux qui sont encore capables de marcher. Et comme moi, je ne marche plus, il n'y a rien. Fait que quand même, je voudrais avoir de quoi, il n'y a rien. Fait que tu sais, j'ai même été questionné pour savoir les cellules souches, ça pourrait être une affaire qui pourrait être positive. Le médecin, 100% non, pas dans mon cas. Il dit pas que c'est pas bon, là, il dit juste que selon moi, ou ce que moi je suis, c'est pas bon. Fait que bref, moi c'est ça. Moi, je dois dealer avec la maladie. Moi, tout ce que je fais avec la maladie, c'est la contrôler mes douleurs. Ça n'a rien à voir avec la maladie. C'est de la douleur. Parce que j'ai de la douleur. Est-ce que tu as toujours eu des douleurs ou c'était progressif? Je te dirais que c'est progressif depuis des années. Là. Mettons que ça fait longtemps que j'ai mal dans le dos. Ça fait très longtemps. Écoute, j'avais 30 ans puis je me faisais checker partout des chiropraticiens. J'en ai fait de toutes les sortes des chiropraticiens. Il y avait des spécialités. En tout cas, j'ai tout essayé. Ça a marché. J'ai eu des massages. Écoute, je me suis fait masser longtemps. Ça, des massages, je peux te dire, c'est à peu près la meilleure affaire que j'ai trouvée qui me faisait du bien. Mais oui, j'ai toujours... moi, j'ai de la contraction. Je souffre beaucoup de spasticité dans le dos. Fait que c'est sûr que mon dos est contracté presque à temps plein. Fait que quand je prends des pelules, c'est des relaxants musculaires pour donner un break. Puis ça dure le temps d'une heure. Puis après ça, ça recommence à remonter. T'sais, la douleur vient, remonte, remonte. Fait que non, c'est ça. Fait que non, il n'y a pas grand-chose, nous autres. Dans mon cas, il n'y a rien. C'est tout est en mode contrôle de la douleur. Fait que c'était... Puis contrôle de douleur, le beau et le mauvais, c'est que... excusez. C'est que ça fait... les pilules font des effets secondaires comme dormir. Oui, je pourrais ne pas avoir mal, mais je dormirais tout le temps. Fait que, c'est pas super le fun. Fait que là, le matin, je suis en forme. C'est pour ça qu'on fait une vidéo ensemble. Puis je pète le feu. Puis à midi, midi et demi, là, je vais me foirer dans mon fauteuil. Puis c'est l'après-midi, le fauteuil, pendant 4 heures de temps. Parce que je me relève si je suis capable de me relever. Parce que, bon, bref, j'ai d'autres affaires là, qui me causent des problèmes au niveau de mes forces. Fait que... des fois, je donne ça à me lever à 4h30, fait que je suis au lève personne. Mais ça, c'est pas parce que j'ai perdu mes forces, c'est à cause que je prends une autre médication. Là. J'ai un cancer de la prostate. C'est ça qui cause... Je prends des pilules pour ça. Fait que je fais une hormonothérapie, si on veut. Fait que la hormonothérapie, ça veut dire c'est fatigant. C'est quand même... Ça travaille le corps. Puis comme effet secondaire, ben tu as la fatigue, 20%. Fait que 20% quand tu n'es déjà pas bien fort en fatigue, c'est énorme. C'est ça. Ma neuropsycho, c'est ce qu'elle me disait parce qu'elle me parlait de l'énergie. Puis elle était là. Je trouvais que c'est un bon exemple qu'on pourrait l'utiliser pour toi. C'est, elle disait, vois ton énergie comme une bouteille d'eau. Puis là, toi, ta bouteille, elle se vide pendant la journée.
quand tu vas te coucher, ben une personne normale va se remplir avec un bon débit pour revenir, même si c'est pas à 100%, tu sais, donc elle est à 90%, mais elle dit toi, ta bouteille d'eau se remplit au compte-gouttes présentement. Fait que c'est sûr que le lendemain matin, ben tu vas avoir ça pour partir ta journée en comparé à une personne normale, tu sais, qui va être là. Fait que imagine-toi, si mettons, t'es déjà là à travers ta journée, tu pars, en plus t'as une autre affaire, tu sais, c'est sûr que ça reste pas beaucoup. Ah, c'est fou parce que on se lève, on est en forme, puis ça prend pas de temps qu'on dégrade, là, t'sais, dans mon cas, là, t'sais. Fait que c'est sûr que, mais je fais beaucoup d'exercices, c'est ça la beauté, t'sais. Je travaille mes bras, je fais du trapèze, en tout cas, bref, je fais tout pour regarder mes fonctions, là. Je pense que c'est le secret de la réussite. Je suis encore capable de me lever debout. Tu sais, ça vaut cher, là. Ça fait 14 ans que je suis en fauteuil roulant. Ben oui. Il y a du monde qui se lève plus, là, parce que... Ça revient au point de dire que l'activité physique, c'est vraiment important, que à peu importe le stage que tu es rendu, tu sais, toi, tu le trouves, continue à faire ton activité physique, puis tu le vois que tu es capable encore de te lever malgré tout après tout ce temps que tu es en chaise blanche. Ouais. Ah non, c'est incroyable parce que je le sais, je connais des gens qui, au bout de 2 ans, 1 an, ils sont plus capables de se lever, ils n'ont plus à rien faire. C'est sûr que c'est pas de leur faute. Là. Il y en a que c'est. Il y a des fois, ça peut être ta faute un peu si tu ne fais pas attention à ta santé au niveau de l'alimentation. Tu fais la cigarette comme une cheminée. Il y en a des gens qui abandonnent, là, qui vont dire ah, fuck, j'ai la maladie, moi, je vais mourir. Il n'y a pas des idées de même qui nous passent toutes dans la tête. Là. Il n'y a pas quelqu'un qui a se lève à la plaque qui ne pense pas des fois à des problèmes de même. Là, mais non, puis aussi, il y a des gens qui prennent vraiment bien soin d'eux, puis ça ne l'aidera pas plus. Parce que la maladie va agir d'une autre façon, qui va tout changer, qui va tout faire, puis que ça peut que ça aille en descendant comme ça. Là. Mais dans l'ensemble, si je vois avec les gens à peu près que j'ai interviewé, ce qui ressort beaucoup, l'alimentation ressort beaucoup. L'alimentation, il est pour beaucoup, puis je dirais l'exercice, il est pour beaucoup. Fait que je pense que c'est deux éléments A à E et B à suivre à l'aide. C'est ça qui fait le. Qui va t'aider ou va aider les gens parce que. Ma neuro, elle, je l'ai massée. J'ai dit tout le temps, merci, je suis assez contente de t'avoir. Elle est tellement fine. Ma neuro est à Montréal, toi? Oui, elle est au CHUM. OK. Docteur Catherine La Rochelle. OK. Elle est jeune. Puis tu vois qu'elle a de la drive, puis tu le vois, tu sais, avec un de mes anciens neuros, j'y avais parlé, puis j'ai dit l'alimentation, puis elle dit « Ah, lâche-moi l'alimentation, nanana. » Mais tu vois, elle est vraiment « Non, c'est important. » Tu vois qu'elle me donne des trucs, elle est impliquée, elle en parle. Fait que je suis contente d'avoir quelqu'un qui... Excuse-moi, j'en reçois des emails. Je suis contente d'avoir quelqu'un qui... Tu sais, pour qui l'alimentation... dans ses recherches, oui, c'est ça. Fait que c'est bon à savoir. Je sais que si j'ai d'affaire à avoir une forme très agressive, c'est pas l'alimentation qui va me sauver, mais ça va du moins m'aider. Je le vois comme ça. Ouais. Puis drôle, hein, parce que je viens de penser à quoi, puis c'est vraiment une petite bulle qui vient de me passer au cerveau avec mon 10 ans. Mais quand j'ai appris que j'avais la sclérose en plaque, j'ai pas été à un show d'un groupe de musique que j'aimais vraiment beaucoup parce que je venais d'apprendre que j'avais la sclérose en plaque à 30 ans. OK. 6 ans plus tard, j'ai 40, puis ce groupe-là revient, puis je m'en vais le voir. Fait que c'est comme si... C'est qui le groupe? On veut savoir? Non, oui. Ça n'intéresse pas beaucoup de gens. C'est un groupe de rap. OK, OK. Ouais. Ah ben écoute, de rap, c'est sûr que moi, tu m'auras pas, là, sûrement qu'il y en a qui vont aimer ça dans moi, écoute, moi, j'étais, non, moi, j'irais plus voir des affaires de, j'irais voir, moi, ce que j'aurais aimé voir, là, dans les dernières années, là, parce que là, je ne veux plus voir de spectacle, ça fait longtemps, là, j'ai vu Pink Floyd, j'ai vu, j'en ai vu plein, là, mais Pink Floyd, j'ai vu 3 fois, je pense, fait que je les ai vus, mais... J'aurais aimé ça voir Lady Gaga en mode jazz parce qu'elle faisait une tournée à Las Vegas. J'aurais aimé
me taper ce trip-là d'être à Las Vegas puis de l'avoir, parce que j'adore sa voix, j'adore son talent, j'adore sa folie. J'aurais aimé ça, la voir. Puis ça, j'aurais aimé ça. Mais Las Vegas, on s'entend-tu qu'il fait chaud là-bas? Puis ah non, non, tu peux. Prendre l'avion, je vais mourir, juste me rendre, mais être mort. Tu sais, fait que ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Mais ça vient ici, tu pourrais aller la voir. Ouais, mais elle ne fait pas le spectacle jazz. Ça fait ça spectacle, tournée mondiale, cette affaire-là, mais elle ne fait pas. Le jazz, je pense qu'elle fait juste là-bas. Ouais, je comprends. Las Vegas. En tout cas, si j'aime. Puis même encore, je te dirais, écoute, à 7 heures, je suis au lit, moi, là, tu sais, fait que. Ça... Ouais, non, c'est sûr que c'est plus. C'est sûr que c'est difficile. Je suis au lit à 7 heures pour justement détendre tout mon dos qui est spastique. Autrement dit, juste me tenir, c'est douloureux. Oui. Fait que c'est juste tenir mon corps droit, là, comme là, je suis assis. Bien, si juste tenir ça, ça fait mal. Puis est-ce qu'avec tes podcasts, tu as trouvé des gens comme toi? Parce que tu dois voir de tous les niveaux. Oui, mais je n'ai pas vu. Autant magané, j'ai passé proche d'en avoir des plus maganés que moi. Là. J'en ai eu sûrement, là, un peu plus magané peut-être, mais j'en ai pas eu beaucoup. Parce que moi, j'aurais bien aimé aller dans un CHSLD, pogner quelqu'un qui est là, puis qui vit là, puis savoir un peu comment ça se passe pour lui, etc. J'ai passé proche, j'avais un monsieur que j'avais un rendez-vous avec, puis finalement, ça a lâché en chemin. Fait que, bref, j'aimerais bien ça, mais tu sais, c'est pas facile. Le monsieur, bon, il avait besoin d'un aidant pour y installer tablette, l'ordi, whatever. Puis là, je dis, ben, prends-moi un employé là-bas. Les employés, ils font pas ça, ils ont pas le temps. Puis ils ont de la misère à nous donner une sandwich. En tout cas, bref, tu voyais que c'était pas le bonheur. Là. Fait que tu sais, ça fait peur. Ça fait peur. Puis moi, j'aurais aimé ça pour justement parler de quelqu'un. Comment tu vis ça? C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui arrive là-bas? Tu sais, on a arrêté dans le vif, là. Tu sais, on a arrêté dans la place où on est supposé d'avoir des soins, puis on est supposé d'être wow. Puis je veux voir, tu sais, c'est quoi le wow? C'est quoi que c'est, là? Mais je suis pas sûr que c'est un gros wow. C'est juste ça. Parce que c'est ça. Fait que oui, il y en a sûrement quelques-uns. Je pense pas que j'en ai fait beaucoup qui étaient autant en mode de souffrance comme moi, là, mais j'en ai fait sûrement. Sûrement un ou deux ou trois, peut-être, max. Sur 75, là, je dois bien en avoir fait un ou deux ou trois. C'est bon, en 3 ans, je sais que t'es rendu. Ah ouais, ben écoute, j'ai fait ça comme un hobby pour me divertir, puis aussi faire mettre la vie à la maladie. Moi, ouais. C'était le but ultime, c'était de me donner de la vie aux paroles qui sont écrites dans les groupes. Je trouve ça bien fun aussi. Mais je trouve que quand tu parles, tu t'exprimes, tu peux apprendre de quoi à quelqu'un d'autre. Puis ouais. Je pense que ça, c'est bon. Les gens, ils écoutent. Ah, ouais, quand on parle, peut-être je pourrais faire ça. Tu sais, ça a l'air niaiseux, on a parlé d'exercice, on parle de ça. Peut-être que des fois, ça a l'air niaiseux, mais peut-être que ça donne un petit coup de fouette des fois. Tu sais, la personne a dit « Ah, ouais! » C'est fun de voir puis d'entendre les gens, leur expérience. Puis comme tu dis, des fois, c'est « Ah, j'avais pas pensé à ça! » Puis de l'entendre, c'est parce que des fois, tu passes en travers des commentaires, t'es là « Ouf, OK, ouais! » Mais d'entendre quelqu'un le dire, puis d'entendre aussi tout ce qu'il y a autour, l'histoire complète, c'est plus... C'est vraiment... Moi, c'est ça que je trouve le fun de ce que j'ai créé. Je pensais pas, je sais pas si tu te rappelles au début quand je t'avais dit, je sais pas, je vais en faire un par semaine, un par mois, un par deux mois, on va voir comment ça va aller. Finalement, j'ai fait un à tous les semaines depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Juste l'été, j'arrête un peu parce que je veux pas que le monde s'écœure. Non, mais tu sais, je pense aussi que ça donne un break à ça. Je donne un break, là, tu sais. Genre pendant un mois et demi, là, plus de vidéos. J'arrête, là, tu sais, juillet à août, là, un peu, là. Fait que c'est ça. Je recommence à la fin août. Comme on est là, on est en mois d'août, on est parti. On est parti pour la saison 3. En fait, on a fini l'hiver, je finissais plus, là, tu sais. Ouais, ben, c'est non. J'ai pas hâte aux grosses chaleurs, mais j'ai hâte à un peu plus de soleil. Est-ce que ça t'affecte, ça, l'hiver, le soleil? Est-ce que tu trouves ça dur mentalement? Moi, je trouve ça pénible, là, je vais te le dire. Là, je regarde ça, je me dis, OK, allez, que t'es encore pas beau. Ben, c'est ça. On dirait que c'était pas si pire avant, mais là, on dirait que, plus que je vieillis, plus que ça commence à m'affecter.
Tu vois, je suis quelqu'un qui aime la neige, puis j'aime aller dehors quand il neige, puis je trouvais qu'on avait un bel hiver parce qu'on, justement, il y en a eu pas mal de précipitations. Puis, à la fin, je suis là, OK, mais c'est pas tant la neige, puis tu vois, c'est comme le soleil, c'est rien que ça. S'il pouvait faire, là, clair jusqu'à au moins 8 heures, 7h30, 8 heures à chaque jour, là, je pense que ça l'aiderait beaucoup. C'est Ça sûr. donne beaucoup plus d'énergie. Ah ouais, Je ça sais fait pas du si ça bien. vient. Je me suis fait dire justement de faire de la luminothérapie, là, Voilà. comme jeter le truc, puis je l'ai pas Ouais. fait. Ouais. Je suis pas J'ai quand convaincu. même. En tout cas, moi non plus, ma blonde m'avait déjà acheté ça à un moment donné. J'ai dit, regarde, prends pas ton temps, là, je me mettrai jamais dans la niaise à regarder ça. Là. Moi, je vais m'amener fou. Ben, c'est pas à regarder, je pense que c'est. Honnêtement, que ça peut avoir des bienfaits. Là, moi, c'est vraiment par, je vais dire, par lâcheté, parce que, comme tu sais, lit pour la nourriture, lit pour ci, lit pour l'exercice. Là, à un moment donné, tu es tellement dans tes. Ah, Tu te mets dans un domaine, puis tu lis tout, puis là, j'étais là, oh non, là, j'embarque pas, là, va falloir que je commande le. En tout cas, je te lâche. Mais à ce qui paraît, ça peut vraiment bien aider. Mais tu trouves-tu qu'aujourd'hui, le fait qu'on est rendu avec justement YouTube, des podcasts, il y a tellement d'informations qu'on a, c'est hallucinant. On, tu sais, on n'arrive plus à te suivre. Tu sais, du monde va dire, tu as écouté ça? Ben non, je n'ai pas le temps d'écouter, je n'ai pas vu. Écoute, il y a tellement, il y a des séries, il y a des choses, des émissions à télé, c'est fou. Mais moi, je trouve ça bien parce que je trouve que, bien, sûrement que toi aussi, mais quand j'ai reçu mon diagnostic, ça, c'est juste vous le disant, je trouve pas ça fait. Mais j'étais là, Corinne, mais il me semble qu'il n'y a aucune information. Tu te fais dire, ouais, fait que c'est ça, t'as la sclérose en plaques, merci, bonne Ouais. journée. Là, je suis là, OK, mais moi, je fais quoi à partir de là? Comment je peux, c'est quoi mes options? Puis, ah, je m'avais fait dire aussi, ben, quel médicament tu veux prendre? Je sais-tu, moi, je connais pas les médicaments. Lequel que tu me proposes pour qu'est-ce que je. J'y avais pas un bon support à travers ça. Puis là, c'est quand j'ai connu les cliniques de sclérose en plaques qui avaient comme mon chum que là, j'ai dit, OK, finalement, j'ai des gens qui connaissent plus ça, qui peuvent m'aider. Puis, tu sais, même là, une chance que l'infirmière était là, une chance que José était là parce qu'elle a m'aidé d'une aide. Puis après, tranquillement, j'ai vu du monde. Avec des émissions, des podcasts, là, j'allais là-dessus, je me renseignais. Justement, les pages Facebook, des fois, j'ai posé des questions, d'avoir les feedbacks du monde. Ça m'a aidé, puis là, ça a comme fait bam! C'est comme toi Ben, avec. ça a créé, moi j'ai appelé ça ma famille parce que je trouve qu'on est comme une famille, on se comprend tous, on parle tout le même langage, on n'est pas tous au même degré ou rendu à la même place, mais ça permet excusez, de connaître après des versions un peu différentes de tout le monde. Fait Ben que, oui. puis. Il y avait eu de quoi sur Internet pendant la pandémie. J'avais participé à ça. C'est juste, je me souviens plus c'est quoi le nom. Puis c'était la première fois que je rencontrais du monde que quand ils parlaient, quand ils disaient leurs symptômes puis tout ça, je me disais, OK, comme on s'est pas parlé puis tu décris la même affaire que moi. Tu sais, de sentir un peu moins ça, je pense que j'ai pleuré après. J'étais là, oh, je suis pas Ah. folle. J'étais Mais ça, là. pleurer, ça fait partie de la maladie, hein? On pleure toutes pas mal, je pense. Oui, ben parce que, en tout cas, on a des deuils à faire. Puis on a des. Je Oui, sais pas, Dave, c'est ça. c'est très émotif. On sait que ça touche le cerveau, que ça crée des dépressions. Ça aussi, c'est une affaire qui m'est arrivée. Ouais. J'arrive à un neuro, je suis là, je pense que j'ai une dépression. Elle dit non, non, t'es juste en poussée. Puis ça fait que ton cerveau est enflammé. Puis oui, ça crée ça. Tu sais, je suis là, il n'y a rien qui va mal dans ma vie. Je comprends pas pourquoi je pleure autant. Elle dit, ben, parce que le cerveau est enflammé, fille. Okay. Mais d'entendre les gens, c'est comme toi quand tu reçois les gens, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui écoutent tes podcasts et qui disent OK, t'sais, je ne suis pas toute seule, OK, mes symptômes, je suis capable de voir d'autres personnes. Tu ne souhaites pas à personne d'avoir tes symptômes, mais de se sentir moins seule, je veux dire. Ça. Ouais. Ouais, c'est agréable, là. Écoute, comme je sais que tu es au travail, tu es attendu. On a presque 40 minutes de fête. On va laisser un petit dernier mot de la fin pour faire des coucous, des bye-bye, whatever. On termine. Ben, juste dire que je suis contente que ton podcast va bien. Ah, je suis content, moi, avec. Ouais, vraiment. Puis félicitations. Merci.
Fait que c'est une belle réussite, je trouve. Ouais. Puis j'espère que tu as des bons feedbacks. Bien là, comme je te dis, je suis bien content d'être dans l'Europe là, de plus en plus. Ouais. Ça permet d'autres dimensions, d'autres vues, d'autres manières de voir. Fait que c'est wow. Ça, c'est vraiment le fun. High five, check. Prends soin de toi, Émilie. Merci beaucoup pour ton temps. On va te souhaiter une bonne continuité. Puis oui. On ne perd pas le contact. On est toujours en contact, nous autres. Fait que, ben oui, j'en reçois des petits messages une fois de temps en temps. Salut! Ben, je suis content d'avoir que tu vas bien, puis prends soin de toi. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Prends soin de toi aussi. Merci. Bye-bye. Bye. Hey, j'espère que ça vous a plu de rencontrer encore une fois Émilie Bérubé qui a fait la première vidéo de mon podcast. Alors, si vous ne l'avez jamais vu, vous pouvez aller le voir, c'est le premier. Puis là, c'est le dernier récent qu'elle vient de faire pour notre troisième année. Fait que j'espère que ça vous a plu. Vous êtes contents, un petit pouce en l'air. Puis abonnez-vous à la page, on continue le combat. Merci à tous, bonne journée.